La parole est un couteau à double tranchant. Mm-hmm. On peut soigner avec la parole, on peut guérir avec la parole, on peut tuer avec la parole. Mais il faut savoir comment s'en servir. Et si tu parles de la parole, tu parles de l'écoute. Aujourd'hui, les enfants n'écoutent pas. Nous n'écoutons pas. Et c'est pour vous montrer que nous n'écoutons pas que je vais vous poser la question. Tout le monde fait partie, hein? Mm-hmm. Un homme et une femme sont dans une maison. La porte est fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? La bougie est en train de s'allumer. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font? Un homme et une femme sont dans une maison fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? Tassement blalou nos bougies là. Ah oh, bougie hey. Non, ne traduisez pas en bambara parce que vous ne trouverez jamais. Hein? Non. Alors, il devait commencer par ça. D'ici la fin de l'émission, on allait le dire. Ah, voilà. C'est ça. C'est comme ça. Donc, vous voyez, si je dis ça, vous allez aller dans une classe de 80, tout le monde va dire, ah, ils sont en train de faire l'amour, ils sont en train de faire ceci. Ils sont... La première idée qui vient, c'est qu'ils sont en train de faire l'amour. De faire l'amour. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, je leur ai volé leur imagination. Donc leur imagination ne travaille pas. Et c'est pourquoi ils n'écoutent pas. C'est pourquoi on leur demande d'écouter. Mm-hmm. Un homme et une femme sont dans une maison close. La porte est fermée, la bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, vous, la réponse. La réponse, la réponse est très simple. Si vous écoutez bien, la réponse là se trouve dans la question. Elle-même. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Non, non. Qu'est-ce qu'ils font? La question, la réponse se trouve là. Un homme et une femme. Oui. Hey. Si vous écoutez, vous trouvez. Si vous n'écoutez pas, vous ne trouvez pas. Et parce que vous n'écoutez pas, vous ne trouverez pas. Donc, ça va, c'est de l'américain. Ah, c'est l'américain. Un homme, une femme, c'est tout dans une femme. Je reprends mille fois la question, vous ne trouverez pas la réponse. Mmh. Un homme et une femme se trouvent dans une maison close. Mmh. La porte est fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la théâtre. Non. Non. Ils dorment. C'est ce que j'ai dit, mais... Non, la bougie est en train de s'allumer. Il cause. Il tambour filant. Bon, alors, c'est pour vous montrer que vous n'écoutez pas. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font. J'ai dit qu'est-ce qu'ils font. Ah, c'est la bougie qui frotte. Voilà. C'est la bougie qui frotte. Non. Mais... Alors, vous voyez, on n'écoute pas. Imagination de ta yolande là-bas. Imagination, on vous voit l'imagination, ça part ailleurs, et vous n'écoutez pas, et c'est parce que vous n'écoutez pas que vous ne trouvez pas les solutions. Et tout notre système, même politique, c'est comme ça. Oui. Nous n'écoutons que l'autre. Non, mais moi j'ai trouvé la réponse. Tu n'as pas trouvé parce que tu l'as bien prononcé. Non, si, moi j'ai trouvé ou pas. Non, mais moi j'ai trouvé ou pas. Non, j'ai dit c'est la bougie qui faut. Oui, vous avez trouvé la réponse. Mais moi je n'ai jamais dit. Toujours c'était la même question. Oui, mais.